Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais une intro à la Monsieur Virtuose. Aujourd'hui on se trouve sur GTA 5 Online comme vous le voyez. Donc on est dans mon appartement à 40 millions de dollars GTA. Donc voilà, ça m'a coûté plutôt cher. J'ai passé pas mal d'heures à farmer. Et non, en fait c'est pas vrai, je déconne, c'est The Crew 2. Donc je suis au niveau icône pour avoir ce bâtiment. Et regardez-moi ça, on a une putain de belle vue. Je suis désolé du mot plutôt vulgaire, mais on a une vue de ouf. Regarde-moi ça, il y a un petit yacht en bas, si si la mer. Bon là il pleut mais c'est un détail. Et regarde à l'intérieur comment c'est beau. Franchement, je dors plus sur des palettes hein, depuis que je suis une icône. Oh là là, regarde-moi ça. Franchement, vas-y je vous fais une petite visite quand même. Attends, attends, pop, pop. Live to ride, ah ouais je sais, ride to live. Ah c'est beau franchement. Enfin, franchement regardez-moi ça, je me suis mis un. Donc t'as vu là je vais te présenter, là il y a de l'eau. Tu vois là. Après à droite c'est du chocolat, voilà, du chocolat mélangé avec de l'eau, c'est très très bon, tu connais. Là il y a bah il y a des ouais voilà des cuillères, ouais, des magazines de moto, de voiture, ouais t'inquiète. Hop 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 hop. La référence à The Crew Wild Run, c'est comment? Bonsoir la référence. Donc voilà, Motor Nation, tu connais. Par contre c'est pas très très, les pixels sont pas très beaux, mais bon c'est un détail. Donc vous voyez j'ai même pris un petit extincteur au cas où il y aurait un pyromane dans la salle, on sait jamais parmi vous. Peut-être que c'est toi, je sais pas. On sait jamais, peut-être, j'en sais rien. Et ça, c'est mon bateau. C'est le léopard, c'est d'accord, c'est pas très gros, mais ça a l'air de faire le taf quand même. Hein. Vous voyez, j'ai mis un petit volant en Alcantara, frérot, qui fait plaisir. Voilà, des petites plantes pour le côté un petit peu esthétique de la chose, genre, voilà, la nature, tout ça, l'environnement. Donc là, j'ai choisi aucune couleur. Hein. Je sais pas si on peut toutes les choisir, mais faut savoir que j'ai rien choisi. Ça s'est mis tout seul depuis que je suis icône. Donc moi, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Hein. C'est ce genre de déco m'amène. Voilà, j'aime bien. Tu vois, c'est stylé. Tu vois, je dors plus sur un carton. Je dors plus sur des palettes, tu vois. Avant c'était des palettes, bah là, c'est alléchant maintenant. Tu vois, on a gagné de l'oseille, ça a changé, tu vois. C'est différent. Et on va aller voir après le garage en bas. Donc là, vous voyez, il y a toujours la petite télé, enfin petite façon de parler, hein, ça change pas. Franchement, c'est sobre, propre, petit mur noir et tout. Donc comme vous voyez, on a une terrasse avec des petits palmiers, etc. On a une belle vue sur Miami. Voilà, franchement, c'est beau. Hein. Non, franchement, il n'y a pas à dire. Moi, je trouve ça stylé. Après, tu vois, ça fait des grandes baies vitrées. C'est franchement, quand il fait soleil, j'ai vraiment l'impression d'être à Miami. Tu vois, j'ai l'impression de partir en vacances. Tu connais. Et là, regardez, franchement, on dirait vraiment une cuisine moderne de 2018. Tu vois, on dirait vraiment que t'es chez toi, quoi. Vas-y, les gars, qui veut un petit poulet frit? Allez, vas-y. Ouais, la flemme. Vas-y, viens faire à manger. Qui veut des pasta au pesto? Ma reine, vas-y. Eh ouais. Et regarde là, tu vois, t'as voilà, t'as robinet, t'as tout ce qu'il faut. T'as une petite sono pour s'enjailler au calme, tu connais. Un petit toaster, petit grille-pain. Voilà, on a tout ce qu'il faut, hein. Franchement, on est bien. Hein. Ah ouais, regardez, même une table avec des... Oh, et des fruits! J'ai mis des fruits, attends, tu... T'as cru que c'était... Oh, hein, bon. T'as même un coin pour te détendre et pour bah, rien faire, parler, voilà, discutailler, prendre l'apéro. Un autre extincteur, au cas où, pendant que tu boives l'apéro, tu veux te faire un shooter un petit peu enflammé, tu vois ce que je veux dire. Donc là, on va descendre en bas. Écoutez... Ah, j'avais pas vu ça, tiens. On a rajouté une petite déco. Donc on va aller voir Michel au sous-sol, comment ça se passe. Et voilà, on est parti. Michel, j'espère que t'es prêt. Je vous fais une petite visite guidée, ça me fait plaisir, c'est pour le plaisir des yeux, quoi. Je te le dis. Ah quand même! Ah c'est... Ah ouais! Ah c'est quand même... Ah! C'est stylé. Ah, y a pas à dire, le garage, franchement, ça déconne hop, hein. Bon après, je vais le changer, tu vois. Mais je vais changer les motos, tout ça, tac tac. Les voitures, bah d'ailleurs je vais le faire maintenant. Je vais le faire sous vos yeux ébahis, éblouis. Bon, donc déjà, voilà, tu vas vite me mettre la féfé, hein, parce que nous on est là, gros, on met une féfé directe. C'est le style, là. 458 spécial, ouais, je te le dis, on la met direct, nous. Alors après, on va se mettre une petite Porsche. Voilà, si t'aimes pas, bah tant pis. Derrière la petite Merco, voilà, franchement c'est stylé. Hein, bon, on va pas se mentir. Hein. Donc là, voilà, je vais changer de moto. Pas se mentir, gros. Off. Un détail. Un détail. Voilà. C'est pour le petit coin, tu vois, un petit peu sportif. Hein. Bon, on va pas se mentir, gros. C'est plutôt stylé. Franchement, des extincteurs de partout, des tableaux, etc. Comment te dire que là, on n'est pas dans un garage de PD?
J'ai rien contre les gays, hein. Je voilà, j'aime tout le monde, mais c'est pas le problème. Mais c'était juste pour la vanne, faut pas m'en vouloir. Je mange pas, hein, je mords pas, vous inquiétez pas. Donc comme vous le voyez, c'est plutôt stylos. Voilà, petite, franchement, hey, quand t'as cette vue, tu vois, c'est là, tu te dis que là, quand même, là, il y a quelque chose, tu vois. T'es là, tu te dis que t'es quand même dans un endroit important, tu vois. Là, tu sais que t'es chez quelqu'un, ça rigole pas. Définir véhicule. Ah, parce que je peux encore en rajouter un. Eh bah, il n'y a pas de souci, ma mène. Ah, moi, c'est les deux. C'est à moitié moto, à moitié voiture. Il n'y a pas de. Ah, il n'y a pas de souci, hein. Faut partager. Faut partager, il n'y a pas de problème. Regarde-moi ça, c'est pas beau. Un petit garage me mène comme ça, là, un peu. Et là, à la place de. Ouais, non, 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 c'est bien, franchement, c'est stylé. Maintenant, on va aller au hangar. Regardez, avec le soleil, comment c'est beau. Aïe, aïe, aïe. Regardez-moi ça avec le soleil. Aïe, 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 aïe. C'est pas beau, ça? Ça fait plaisir. Franchement, devenez des icônes dans le jeu parce que. Le garage, mais je pourrais y passer des heures, il est tellement beau. Bon, allez, je vous continue la visite. Suivez-moi par ici, suivez le guide. Donc là, il faut avoir plusieurs avions. J'en ai pas encore assez, mais bon, voilà. C'est quand même. On sent qu'on est sur un standing quand même plutôt stylé. Hein, on va pas se mentir. Des tableaux. Il y a un tableau coupé avec un avion, c'est pas mal. Et on peut monter encore. Attendez, mais on va monter pour voir ce qu'il y a. Là, c'est vraiment la vidéo, ça dure un petit peu de temps. Je prends le temps de vous montrer un petit peu les détails, un petit peu ce qu'il y a dans mon appart. Histoire que ça en fasse pâlir plus d'un. Je sais pas, peut-être que tu vas être jaloux, frérot. Et en haut, tu peux mettre. Donc, est-ce que je peux mettre des voitures? Ou je dois mettre forcément des avions? Ah ouais, je dois forcément mettre des avions en haut. Mais bon, c'est quand même stylé de pouvoir admirer sa collection d'avions comme ça. Ce serait cool qu'on puisse la faire visiter à ses potes. En plus, il y a vraiment pas mal de place. Ce serait cool de pouvoir y faire visiter à ses amis. Je sais pas si ça va être possible, mais franchement, ça peut être vraiment stylé. Ça peut être d'art. Ça peut être très très d'art. Je suis désolé, je peux pas faire plus vite, c'est un peu lent. Et là, je vais vous montrer mon garage à bateau. Voilà mon port. Oh, regardez les vagues. Waouh, c'est stylé. Franchement, je kiffe ma race. C'est tellement stylé. Bon, allez, c'est parti. On va pas attendre plus longtemps. On va aller voir le garage à bateau. Comment ça se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe au garage à bateau? Et on est parti, on n'est pas là, gros. Et vous savez ce qui manque? Un steward. Oh! Non! Putain, c'est dard! Regardez-moi ça! Oh, il y a des planches de surf et tout. Putain, c'est de classe. Wayayo! T'as franchement. Franchement. C'est classe, hein. Wayayay! Regardez-moi ça! On peut aller nager dedans? Ah, bah non, on peut pas y aller. Franchement, c'est la classe, hein. Wow. Ah, tu sens que le mec il a de l'argent là. Tu te dis merde, il y a de l'argent, frérot. Putain, et eh bah, ben, mon pote, je peux dire que je me suis mis bien. Waïe. En tout cas, j'espère que la visite de l'appartement elle vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de pouces bleus comme l'eau pour mon appart si ça vous a plu. Et sur ce, je vous dis ciao la bis, prenez soin de vous les gars, portez-vous bien. Et bah écoutez, c'était au plaisir.